Dijon Jazz et Saveur, ça porte bien son nom. Ça, vous avez bien mangé, bien bu pour certains. Il y a petit bar à tapas. Vous avez, on avait fait les choses en grand, avec en plus les conditions météo qui sont de la partie. Et donc, voici donc le troisième concert en trois jours. Hier, c'était marrant parce qu'hier, il y avait une moyenne d'âge d'environ 27-28 ans, les zoots. C'est très impressionnant. Là, on a les vieux briscards du jazz. Et en penchant un peu sur le pédigré de celui qui va me rejoindre maintenant, je me suis aperçu quand même qu'il fait partie des pointures du boogie-woogie. Il fait partie des meilleurs en France, clairement. Il s'appelle Jean-Pierre Bertrand. On peut l'applaudir. Jean-Pierre Bertrand, viens voir Jean-Pierre. Il va nous présenter un peu le collectif. L'un des meilleurs pianistes de Boogie Woogie, paraît-il. On parle de vous en termes dithyrambiques, on les prend. Hein. Moi, je sais pas. Je me situe pas dans une catégorie du moins bon ou du meilleur. Je fais ce que j'aime et je suis entouré de musiciens exceptionnels. Voilà. C'est avant tout une image. Non, c'est parce que dans les années 40-50, avant l'avènement du rock'n'roll, le boogie-woogie s'est déployé sous la forme d'orchestre, parce que c'est un style qui était pianistique au départ dans les années 30, qui s'est nourri de la contrebasse, de la batterie, et qui ensuite a réuni des cuivres. Et comme j'aime ce son, j'aime cette musique, et je la trouve très jubilatoire en orchestre, je me suis dit, on va faire un orchestre avec ceux qu'il aime. Et plutôt que de dire, lui, il est très bon, lui, il est moins bon, etc., eh bien, j'ai en quelque sorte appelé ceux qui l'aimaient. Et ça correspond tout à fait à mon goût. Et vous avez découvert le boogie woogie à l'âge de 14 ans, paraît-il. C'est ça? On va vous laisser aller derrière le piano. On était avec le piano du chef, derrière le piano. Et on va accueillir les copains. Alors, il y a pas mal d'instruments. J'ai vu du saxo, j'adore, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a également? On peut donner les prénoms, ils vont venir un par un? Bien sûr. Alors, on va appeler d'abord dans l'ordre de composition de l'orchestre et pas d'ancienneté, parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps, le contrebassiste Gilles Chevaucherie. Allez, Gilles, contrebassiste. Gilles, contrebasse est un instrument qui me fascine. Rien que le transport d'une contrebasse, on pourrait en parler pendant des heures. Ensuite. Alors, un garçon que je connais aussi depuis longtemps, il était tout petit, il avait déjà un grand don pour l'aspect rythmique et shuffling du boogie-woogie. C'est Simon Boyer. Simon Boyer, à la batterie. À la batterie, Simon, à la batterie. Bienvenue Simon, regarde les costumes et tout, non mais la classe jusqu'au bout, hein, vraiment, ah, vous êtes beau. Alors parmi ceux aussi qui ont compté beaucoup dans mes influences sur cette musique, par rapport à cette musique et mon goût pour le jazz en général, puisqu'il est très éclectique, à la guitare, Nicolas Pellier. Allez le guitariste. Chose quand même, non? Non, pas du tout, d'accord. Alors, au sax ténor, que des saxos, il y en a plusieurs. Hein, pour faire simple, on dira le soprano, l'alto, le ténor. Mais non, c'est pas bon le son, si. Si, le son, si, on l'entend. On a mis une petite musique douce, ça vous embête? Ah, non, c'est pas vous, hein, on a mis une petite musique pour... voilà. Vous allez vous fâcher avec le contrebassiste. Arrête la musique parce qu'il va pas là. Alors, au sax ténor, c'est un musicien qui a joué avec quasi tout le monde. Ça serait plus simple de dire avec qui il n'a pas joué d'ailleurs, mais on ne va pas vous ennuyer avec sa biographie. Sachez qu'en tout cas, il a fait du studio, de la scène, un tas de choses. Et c'est un musicien merveilleux sur le plan humain également. C'est Claude Brault au sax ténor. Sax ténor, je découvre l'instrument. Oh, il a mis une pression sur Claude. Et si vous êtes un intime, vous pouvez l'appeler Claudio, il aime bien. Claudio, voilà. Bienvenue Claudio, bienvenue à Dijon. Alors, un de mes grands amis que j'ai connu il y a une trentaine d'années au Club Saint-Germain à Paris, qui est un arrangeur, un organisateur, il a plein de qualités, et on parlait tout à l'heure de nos passés musicaux. Il a commencé pratiquement dans le chaudron à 6 ans avec son papa. Il sait quasiment tout faire. Du jazz, du blues, de la variété, du boogie. Il suffit de lui donner un instrument, une scène, et puis, en général, il en fait quelque chose. C'est Didier Desbois. Didier, joli pédigré également, avec la cravate. Bienvenue, Didier. Et enfin, le... Sorry.
Et j'avais été stupéfait par sa précision, son jeu, son swing, ce qu'on appelle dans notre jargon jazz. Et nous sommes devenus amis parce qu'il joue dans de nombreux orchestres. Il s'est illustré au Méridien, dans toutes les boîtes de jazz parisiennes et bien sûr sur des grandes scènes. Et puis il a décidé de nous suivre dans cette aventure de Boogie Woogie. Il s'appelle Patrick Bacqueville au trombone. Et le trombone, eh ben, regardez-moi, rien que les instruments sont magnifiques. Merci, on a vu tout le monde, on a vu. Hey, regardez quelle belle équipe. Soirée Boogie Woogie ce soir. Ah bah, oui. Oui, c'est ça la Bourgogne aussi. Hein. Le trombone, tout, vous êtes magnifiques, messieurs. Passez une très bonne soirée. On peut les applaudir, Boogie Woogie, mesdames et messieurs. Amusez-vous bien. Profitez du public dijonnais. Thank you.
On va enchaîner. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bonne soirée. Ici, à la Cité de la Gastronomie, où le ciel nous prête son concours pour une très belle soirée avec le Boogie System. On enchaîne avec un morceau qui s'appelle « Don't talk about me when I'm gone ».
best that we do. If the kiss or that this land like you. Yes, makes no difference how I carry on, I carry on. Yes, please don't go about me. Yes, please don't go about me. Yes, please don't go about me when I'm gone. Oh yeah, 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 yeah. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être jouer un morceau, hein, parce que ça s'appelle Boogie System, ça s'appelle blues, puisque le blues c'est du boogie et inversement. Donc on va jouer un morceau qui s'appelle, qui est un arrangement de Sammy Price, qui s'appelle Blue Moment. On va laisser commencer. Alors Nicolas, Blue Moment, un petit peu plus calme pour reprendre après. Merci en tout cas d'être très nombreux ici. Thank you.
She's my baby, I love her just the same. Crazy about Caledonia, Caledonia. What makes you big head so hard? I love you, I just belong to say. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. One more time. Caledonia, Caledonia, what makes you big head so hard? I love you, I love you just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia is her name, yeah. We'll be right back.
told me, Abe, son, get out of that woman. She's gonna take all your money. Don't laugh about your mama. You don't love your mama. I want my time. Caledonia, what makes you be hit so hard? Caledonia, mesdames, messieurs, à la guitare, Nicolas Peignet, Patrick McVille, au trombone et au chant, dans un morceau qui s'intitule Caledonia. Caledonia, morceau, je crois, de Louis Jordan, me semble-t-il, qu'on qualifie souvent de l'inventeur du rock'n'roll, et c'est vrai qu'on sent déjà poindre le rock'n'roll. On va vous jouer maintenant une chanson, car le jazz, c'est beaucoup de chansons, des mélodies, et souvent même des chansons qui étaient des chansons françaises ou reprises par des Français. Un certain Lucky Blondeau. Un certain Lucky Blondeau offre à sa belle un bouquet de roses rouges. Et il intitule cette chanson « Des roses rouges pour un ange blanc ». Et contre toute attente, Count Basie, qui flash sur les mélodies, dit « Celle-là, je la veux pour mon orchestre ». Et il l'intitule « Red Roses for a Blue Lady ». Donc que vous soyez blonde, brune ou rousse, on vous les offre. Ce sont des roses de swing. Les roses rouges. Thank you.
va pas se cacher la vérité. Magnifiquement interprété. Oh là là, ça m'émeut. Magnifiquement interprété par le Boogie System. Red Roses for a Blue Lady. Comme disait Napoléon, si vous attendez les compliments, il faut aller les chercher. Sous vos applaudissements, évidemment. On va continuer avec un morceau qui est un standard du jazz, qui est peut-être un de ceux qui a été le plus chanté d'ailleurs, et même encore aujourd'hui. Ça s'appelle « On the Sunny Side of the Street ». Et effectivement, c'est le cas. Ça va, Patrick? Ouais. Non. On va peut-être le faire un peu plus tard, hein, y a pas de problème. C'est du live. Hein, okay. Ouais, ah ben je t'en prie, je t'en prie. Donc, on joue lequel alors, Gilles? Peut-être un spécial contrebasse, non? Un vrai boogie? Bon alors, vous aimez le boogie-woogie rapide? Ouais, il faut que vous dansiez un peu aussi. Hein. Alors celui-là, il n'était pas prévu, hein. on va le jouer... La tonalité, ça vous importe peu, hein, sauf si vous voulez venir chanter avec nous. Ah, rapide, hein. Ouais. Bon, alors, d'accord, on y va. Sol. Thank you.
Vous voulez plus rapide? Non, non, on peut pas. C'est maintenant peut-être qu'est venu le moment de On the Sunny Side. Ah, ah oui, alors oui. Mais bien sûr, on fait la liste dans l'autre sens, mais un peu au gré du feeling. When you and I were young, Maggie, ça vous dit quelque chose? Et qui a été arrangé pour l'orchestre donc du Boogie System, mais aussi avec les Rhythm Kings. C'est magnifique. On écoute ce morceau. Thank you.
Allez, maintenant on démarre c'est bon, ça va faire super. Après dîner. Tempo. Après dîner. Ah non, c'était... Ouais. Non, peut-être pas. Comme vous voulez.
makes me treat you the way I do. Oh, gee, baby, ain't I good to you? Nothing is too good for a girl so true. Oh, gee, baby, ain't I good to you? I bought you flowers for Christmas and a diamond ring. Yes, a big Cadillac car and everything. Oh, love makes me treat you all the way that I do. Oh, gee, baby, gee, baby, ain't I good to you? Nothing, nothing, nothing is too good for a girl so true. Oh, yes, oh, baby, baby, ain't I good to you? Love makes me treat you, oh, love, love, love makes me treat you the way that I do. Oh, gee, baby, gee, baby, ain't I good to you? I bought you some flowers for Christmas and a diamond ring and a bottle of Rhone Romani. Oh, yes, nothing, 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 nothing is too good for you. Oh, gee, baby, ain't I good to you? Oh, gee, baby, ain't I good to you? Thank you.
Que j'ai parlé d'une bouteille de Vaune Romané à un moment donné. Je sais pas si vous avez. Voilà. Un petit bougalou! We'll be right back.
Thank you.
Mr. Simon Boyes. Chers amis, we want to thank everybody of you, everybody from abroad visiting France and Dijon, particularly the city of gastronomy and the famous wines, greatest of the world. We thank you for gathering and visiting us. Thank you and have a nice day in Dijon, in Burgundy, in France. I want to introduce with you the musicians. À la guitare, mesdames et messieurs, Nicolas Pellier. À la batterie, c'est Simon Boyer. Contrebasse et au rythme, parce que avec le style qu'il a, il fait les deux. Gilles Chevaucherie. Je remercie Claude Bro, formidable au sax ténor. Claude Bro, dit Claudio, mon Claudio. Non. Ça vous apprendra. À l'alto, c'est Didier Desbois. Merci à Patrick Bagville au vocal et au trombone. Merci Patrick. Je voudrais vous remercier les musiciens parce qu'on a passé un super moment et on ne peut pas oublier bien sûr ceux qui sont indispensables à la qualité d'un spectacle. Une formidable technique, un piano extraordinaire, un des derniers modèles de chez Yamaha, vraiment formidable piano, C6. Donc merci aux organisateurs du Dijonais sur l'herbe, merci à Nicolas Fourgeux qui nous a fait confiance et toute l'équipe qui l'entoure dans cette association merveilleuse. Ils ont fait un boulot remarquable. Merci aux caméras, au son, à la lumière. Excusez-moi, je ne connais pas vos prénoms individuellement, mais le cœur y est. Vous avez été super. On n'a pas eu un vraiment... On a peu eu d'écho, hein. Enfin d'écho de ce que vous avez fait, on va en avoir, mais... voilà, merci à l'équipe des musiciens qui, avec qui j'ai le plaisir de jouer, qui me font confiance. À très bientôt, j'espère. Profitez bien, merci à la météo aussi. Si j'oublie quelqu'un, c'est pas volontaire, mais c'est l'émotion. À très bientôt. Celui qui vous parle, celui qui vous parle et qui vous charme, the king of boogie woogie, monsieur Jean-Pierre Bertrand. Champion. Ça vous dirait un petit sunny side of the street avant d'aller... Hein? Ouais. Leave your worries on the doorstep.
just direct your feet on the sunny side street. Can't you hear that pitter-pat and that happy tune is your state? Life can be so sweet. I used to walk in a shape where my blues are red, but I'm not afraid. It's over, roses over. Ever, never, never, never have a cent. I'll be rich like Jean-Pierre Bertrand. Yeah. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Yeah.
Au Dijonais sur l'herbe, à la cité de la gastronomie, et qu'elle vive longtemps. Nous, on sera clients. Hein. Merci beaucoup.